Et salut à tous les amis, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Planète Zoo. La dernière fois qu'on s'était parlé et qu'on avait fini la vidéo, c'était sur l'enclos des buffles d'Asie. Normalement je voulais mettre les tapirs avec eux, sauf que ce n'est pas du tout le même biome, le même continent. Donc je ne l'ai pas fait. On va remettre le jeu en route et on va faire notre petite visite habituelle dès le début du jeu. Notre arrivée au zoo. La dernière fois, il n'y avait rien ici, mais on va revenir ici pour l'instant. Voilà. La dernière fois, on avait aussi fini dans l'épisode précédent l'enclos des flamants roses. Alors, je n'avais aucun visiteur avant. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai mis mes paramètres en mode créatif, les visiteurs avaient tout au maximum. Donc, ils n'avaient pas besoin de manger, ils n'avaient pas besoin de s'asseoir. Sauf que bah, je me suis pas fait chier pour rien, en fait, pour toute la déco, pour les bancs et tout ça. Donc j'ai réactivé juste ça, de toute façon normalement ils ont ce qu'il faut. Toilette aussi. Bah du coup vous pouvez voir le monde qu'il y a. Donc on revient juste ici. Voilà. Je vous expliquerai après pourquoi il y a autant de monde là-bas. La dernière chose qu'on a fini dans l'enclos précédent, enfin l'épisode précédent, c'était l'enclos des buffles justement, des buffles d'Asie. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop, pardon, pardon, pardon. Juste ici, on finit en vitesse la visite. Hop, je ne vous montre pas. Voilà, on a nos buffs ici. Je ne vous montre pas. Voilà, nos buffs ici. Et maintenant, ce que je vais faire... Hop, pardon. Je vous montre la vue du dessus. Et maintenant, je vous montre ça. Alors, je vous explique. Je n'ai rien montré dans cet épisode parce que je n'avais absolument pas d'idée de ce que j'allais faire. J'ai cherché des animaux sur lesquels je pourrais mettre dans cet enclos et j'ai eu du mal à trouver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les grues du Japon ici avec les macaques japonais. Comme ça les macaques eux auront leur petit truc ici et les grues feront leur petit truc ici. En plus de ça les macaques auront leur petite mare et ici je vais faire un truc en hauteur dans lequel ils auront des petites cascades d'eau chaude, blablabla. Donc j'ai fait à peu près le train, le passage pour les visiteurs parce que oui l'enclos est accessible. Je vais juste vérifier que bah, en fait ils acceptent les visiteurs. Oui c'est bon. Bah, encore heureux. Donc ce que je vous avais dit pour la dernière fois ici, j'ai préparé l'enclos. J'ai préparé aussi les passages que je voulais faire avec les petites terrasses, les trucs pour s'asseoir, les bancs, etc. Et j'ai fait aussi ceci, qui va nous mener à un tout autre enclos, en fait, dans les montagnes, où il y aura, en fait, dans le continent Asie, il y a tout ce qui est lynx. Il y a tout ce qui est, bah, bien sûr, du coup, lynx boréal, il y a tout... tous les ours, l'ours Isabelle, l'ours de Malais, l'ours de Taïwan, tous ces ours-là, en fait, j'aimerais les mettre, le panthère des neiges aussi, panthère nébuleuse, en fait, tous ces animaux-là, j'aimerais les mettre dans les montagnes, en fait, dans un truc qui est plutôt pentu, pas un terrain plat, même si les trucs que j'ai fait sont pas vraiment plats, mais j'aimerais changer un peu la topographie, et une astuce pour pouvoir cacher, en fait, parties du personnel. Au départ, je voulais faire une entrée ici, mais je trouvais ça un peu bête d'avoir fait un si bel enclos pour faire une entrée là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la... En fait, ici, les visiteurs pourront partir comme ça, de voir l'autre côté de l'enclos et monter. Après, j'en sais rien, en fait, parce qu'ici, j'aimerais pas qu'il y ait des trucs... Ou alors, les visiteurs pourront faire ça comme ça, mais ils contourneront, en fait, les enclos qui seront ici, donc ils seront obligés de faire une boucle pour pouvoir voir tous les enclos et ils peuvent pas traverser en fait justement. Donc en fait ouais, on va faire une boucle pour que les visiteurs soient obligés de faire une boucle ici pour voir tous les animaux qu'ils veulent. Comme ça ils coupent pas, ils traversent pas et c'est ça un peu le but des zoos de maintenant. Ils font des boucles pour qu'on soit obligé de voir tous les animaux. Et donc ce que j'ai fait ici c'est un passage dans la montagne pour pouvoir faire passer le personnel ici. Et dedans je mettrai des locaux du personnel, donc j'ai déjà mis une cabane de soigneurs et un centre d'échange. Parce que ça commençait à faire loin là-bas pour revenir juste ici. Comme ça ici on aura la zone du personnel dans la montagne. Là, le personnel aura bien sûr accès ici, par là et par là aussi. On fera un trou dans la montagne par les enclos. Je trouvais ça pas mal et intéressant de vous le dire. Comme ça vous avez des astuces pour pouvoir cacher l'accès visiteur et l'accès du personnel. Alors oui il y a pas mal de grues, mais au vu de la taille, vraiment... 6000 mètres carrés, c'est énorme. Au vu de la taille de l'habitat,
C'est normal que je fasse un enclos aussi énorme. Surtout qu'il y aurait les macaques avec. Et après, est-ce que je vais laisser les visiteurs entrer? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je trouvais ça plutôt intéressant de faire ça. Bien sûr, ça c'est une première vue. L'intérieur va changer. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de faire cet enclos-là avec vous. Et par la suite, on verra ce qu'on fera. Alors ici, j'aimerais aussi faire un enclos. En fait, j'aimerais faire un double enclos, c'est-à-dire que la côté Europe et le côté Asie se rejoindraient. Avec d'un côté dans l'Asie... Alors, on avait regardé... Au niveau marin... D'un côté, soit le crocodile marin, soit le gavial. Normalement, il n'y a plus d'autres animaux marins. Non. Et du côté Europe... En fait, Europe, il n'y a rien niveau... Ah si, il y a le phoque. Ouais, on va mettre le phoque, en fait. Mais est-ce qu'ils vont avoir assez d'eau? C'est pas grave, je ferai un deuxième truc d'écoulement. C'est pas grave. Les crocodiles marins. Et de l'autre côté, les phoques. Comme ça, on aura toujours notre zone de séparation. Et ici, on ouvrira pour faire une petite terrasse. Comme ça, les animaux passeront en dessous. Il y aura la ligne de séparation, là. Ah oui, et j'ai rajouté aussi un vivarium. Parce que... Dans la partie Asie, vivarium, il n'y a que la phyllie géante et le scorpion forestier géant qui font partie de l'Asie. Sauf que dans l'Asie, il y a deux zones. Il y a la zone Asie et la zone Inde Asie. Et cette zone-là, ça sera encore différent, ça pas encore ici. Parce que dans la zone 1, il y aura les chameaux, il y aura les éléphants d'Asie, il y aura peut-être les paons qu'on mettra avec... ça sera beaucoup plus exotique dans le sens sableux, tout ça. Enfin bref. Bon, on vous fait une avance rapide, on se retrouve à la fin de l'épisode, c'est parti.
Et voilà les amis, on a fini. J'ai pas enregistré la fin de la décoration du zoo. Je vous montre juste comme ça. J'ai juste fini la petite partie qui est ici pour la déco. Et normalement, bah, l'enregistrement en avancé, j'ai fini l'enclos avec vous. Donc l'épisode va se finir ici, même si on a fait juste un enclos. Mais il m'a pris beaucoup de temps. Commencer un autre enclos me prendra encore plus de temps et donc la vidéo sera sortie beaucoup plus tard. Donc je préfère finir ici avec la vidéo et vous montrer en vue comme ceci ce qu'on a fait. Donc ce que j'ai fait ici, c'est le petit vivarium que les gens peuvent voir avec un chemin vers l'extérieur. Mais on va d'abord commencer ici. Il commence vraiment à avoir beaucoup de monde. Hop. Ici, on a déjà un petit point de vue avec le vivarium pour pouvoir manger. L'entrée, évidemment, de l'enclos. Et ici, on a le passage pour pouvoir voir l'enclos de l'extérieur, bien sûr, avec les grues du Japon et les macaques japonais. La petite zone de pique-nique. À savoir que derrière, je mettrai
J'en ai mis là-bas pour que les clients, enfin les visiteurs puissent aller là-bas, puissent venir jusqu'ici et venir s'installer. Donc il y aura bien sûr une zone de restauration ici qui donnera accès sur l'enclos qui sera là et sur une zone derrière. Donc de l'extérieur ça donne ça. Voilà, derrière c'est décoré plus ou moins, on va dire. Mais quand on passe par derrière avec le vivarium, on peut avoir un accès ici qui donne de nouveau ici. Donc on a plusieurs accès qui donnent dans l'enclos. Et maintenant on va retourner voir l'enclos, mais de ce point de vue. Il y a quand même pas mal de monde. C'est quand même bien, hein. Les grues font quand même la taille des gens. Avec les macaques japonais. Ils peuvent voir manger. Ils peuvent les voir manger. Gambader, jouer. Oh, là, ils vont interagir ensemble. Non, non pas. On voit le beau bâtiment aussi. Je trouve que le bâtiment, il est vachement beau ici. Comme on peut voir les points de vue comme ça. Voilà, cette vue-là, j'aime bien aussi. Même si je pense que mettre plus de décorations végétales sur les rochers, ça servirait pas à grand-chose, parce qu'on en a déjà pas mal. Ici, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vais rajouter un truc. Et hop, quand on passe ici... Hop, on peut les voir. On peut voir les petits singes se baigner. Les grues, s'ils veulent, avec les jets d'eau chaude. Et on peut aller les voir manger un petit peu plus loin. Voilà. Donc, je vais faire un point de vue plus haut. Hop, avec l'intérieur, mais vous avez pu le voir, comme ça ils ont accès de ce côté-là pour les grues et de ce côté-là pour les macaques. Hop, ici, le petit coin manger, la petite zone pour se baigner avec l'accès pour les grues, ici aussi. Là, les singes peuvent aller, ils ont une petite zone tranquille, ils peuvent s'amuser. Une autre petite zone baignade. Et ici, j'ai essayé de faire ça pour faire un petit peu un truc réaliste qui soutient les rochers. Après, cette zone-là, on s'en fout un peu parce que normalement, on ne la voit pas. Ici, les rochers, ce fut très long. Et j'ai mis ça en barrière pour que les animaux ne puissent pas passer. Donc du coup, ça va bouger. C'est juste pour faire venir les visiteurs. Et après, ici, on fera après un nouvel enclos par là. Mais pour l'instant... Je trouve ça pas mal et on va d'abord s'attarder sur l'enclos qu'on devait faire de base ici. Qui était... Asie Habitat. On avait dit crocodile marin, je crois. Je crois qu'on avait dit crocodile marin ici. Ils pourront pas plonger mais bon, c'est déjà une belle zone à montrer. Et en plus les visiteurs pourront les voir d'ici. Enfin voilà. Bon, écoutez, je vais me poser un petit peu. Hop. Voilà. On va se mettre ici. Bon, voilà, sur ce, les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois. Et n'hésitez pas à dire à vos amis de vous abonner aussi s'ils aiment bien Planet Zoo ou d'autres vidéos gaming. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.